Donc là, nous partons du mouillage de Codrington, là, ici. Et nous allons dans un autre mouillage où il y a un hôtel complètement dévasté, ici, là. Il y a un hôtel complètement esquinté par le cyclone, ici, donc. Voilà. Donc nous allons aller un peu sur la gauche de l'hôtel, là. On va mouiller là. On part cet après-midi pour Saint-Martin, mais là on va passer midi, on va manger là-bas sur cette plage. On va voir ce que ça donne, c'est plage rose normalement. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc on va manger sur la plage rose. Pas sur la plage rose, sur le bateau devant la plage rose. Et il est donc 10h là, et on part à 16h, on part direction Saint-Martin. Alors on va naviguer une nuit sur Saint-Martin, et on arrive demain en fin de matinée. Donc, il y a 80 et quelques milles à parcourir, voilà. Donc, il y a un petit vent de 17-20 nœuds, donc ça va être normalement une bonne navigation. Bon, on verra ça. On verra ça tout à l'heure. Alors Nétif est le guet, elle regarde s'il n'y a pas des rochers ou des cailloux, puisque là il y en a pas mal de signalés. Et normalement on va se mettre à gauche du catal, là on va se mettre sur la gauche en mouillage. On sera abrité du vent. Voilà. Nétif fait la vigie. Thank you.
Zanetti, c'est bien, tu t'es bien débrouillé. Bon, bah là, nous allons débarquer pour aller voir l'hôtel détruit par l'ouragan. On va aller voir un peu cet hôtel-là, ce que ça donne. Voilà, donc on débarque. Belle plage. Ben nous allons aller visiter cet hôtel là, mais sans prendre de risque, parce qu'à mon avis, dedans, c'est dangereux. Détruit par l'ouragan, c'est triste.
Ah, les cyclones, c'est cyclone, hein. Ouais, mais normalement, tu penses que ce sont les maisons légères qui ne résistent pas, mais non, hein. Béton, béton. Ouais, en plus, elle est ouverte au vent, tu vois, elle est au bout dans une pointe d'île. Avant, c'était pas la pointe. Ouais. C'était fermé, hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Traveling west on an eastern heartache. Lost touch with the reason. Found another trend that I could break to feel more like myself. Saw the water where they drown the sorrows. Pacific lovers in motion. They keep on talking about tomorrow. Tomorrow never comes. California dreaming may just be a feeling when everything is out of reach. All the pretty people were looking pretty equal now. Stars burn bright outside the city limit, where the canyons are empty. Lonely nights lit by lonely companions in a sweetness and release. Thought I saw you hiding in the shadows. You were holding the answers. Everybody's talking about themselves. California dreaming may just be a feeling when everything is out of reach. All the pretty people are looking pretty equal now. All the Voilà les fameuses plages roses. C'est énorme. Et c'est magnifique. Bon, j'ai essayé de faire voler le drone. Et en fait, zone soumise à autorisation parce qu'il y a un aéroport pas loin. Donc Barbuda, on peut pas faire voler les drones. Voilà, comme ça c'est réglé. Avec Netty, une fois de plus, nous sommes dans une plage paradisiaque. Comme dit Netty, désertée. Nous sommes dans une plage désertée. Voilà. Il n'y a personne. Personne. Il n'y a que notre Zodiac au fond là-bas. Voilà. Plage désertée, avec de l'eau turquoise, c'est magnifique. Et du sable rose. Voilà, le voilier est là, voilà. Nous sommes juste tranquilles. Et l'eau est très très bonne, très très bonne.
pas beaucoup de vent. On est venu ici ce matin, on était au mouillage de Codrington là-bas, au fond là-bas, montre avec ton doigt au fond là-bas, mouillage de Codrington. Et nous sommes partis ce matin pour venir ici parce qu'on voulait voir l'hôtel là-bas. Donc on s'en va, il doit être midi là. Ouais, il doit être midi. On va manger tranquille après là et puis on prend la mer pour aller à Saint-Martin. Voilà. Donc il y a 80 000 et quelques, 82 000. Voilà. Et bon, nous allons passer la nuit en navigation. Bon, ça va nous rappeler un peu des souvenirs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas navigué la nuit. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc on va naviguer cette nuit là, tranquille. Et puis direction Saint-Martin. Donc voilà, comme ça on va pouvoir refaire l'alimentation. On va pouvoir faire les magasins un peu, voir du monde. Mais bon, ça fait du bien de ne pas avoir de monde aussi. Hein. Nous, on aime bien les deux. Hein. Il n'y a pas de boutique au paradis. Hein. Il n'y a pas de boutique. Hein. Il faut choisir. Comme il y en a qui disaient, il n'y a pas internet au paradis. Exactement. Voilà, donc Nettie. Elle est contente. Nettie est contente. Voilà. Dans ce paradis. Exactement. Voilà, c'est super cool. Et là, il fait très très chaud au soleil. Hein? Chaud. Alors c'est bien baigné. Bon ben on va marcher un petit peu là sur la plage, voir ce qu'il y a de l'autre côté là-bas. On va essayer de voir ce qu'il y a de l'autre côté là-bas. Je pense que nous sommes dans un bras de mer là. On va voir ça. Ouais. Super supportable. On était en train de dire avec Nettie que là c'est vraiment la meilleure plage, c'est pas imaginable. Qu'est-ce qu'on veut? C'est inimaginable un coin pareil. Alors. Quand je pense que des gens n'ont jamais vu ces endroits là, ne sont jamais venus dans des endroits comme ça. L'eau peut pas être plus claire que claire et plus turquoise que turquoise et il n'y a pas de personne, plus de personne ici. Il fait bon, il fait bon. L'eau est bonne. C'est vraiment des endroits magnifiques. Après il y a les cyclones qui passent, bon les cyclones, ouais. Il faut faire attention aux cyclones. Mais sinon. Si on pouvait se ravitailler facile, parce que c'est un peu compliqué pour se ravitailler ici. Et si on se pouvait se ravitailler facile, eh ben ici tu restes, on a un visa de 3 mois, tu restes 3 mois. Mais bon. Là, nous aussi, on est toujours habitué au supermarché, on a toujours besoin qu'il soit à côté. Ouais. Mais si on savait se débrouiller autrement, ben ici on peut rester 3 mois. Voilà. On pêche. Voilà. Il y a beaucoup de poissons. Voilà. C'est magnifique. Magnifique. Et Nettie ramasse les coquillages. Qu'est-ce que tu fais, Nettie? Où sont tes coquillages, je vais voir. Et quand on marche dans ce sable, on dirait qu'on marche dans la neige. Il est doux, très fin.
très très fin. Bon ben voilà, vraiment un coin sympa. Bon, je pense qu'on en verra d'autres. Surtout qu'après on va partir sur les Grenadines, je pense. Je pense qu'on va voir pas mal de petits paradis comme ça. On vous les fera découvrir. On les découvrira et on vous le fera découvrir. Voilà, donc on part toujours avec un petit pincement. Hein, parce que là c'est vraiment un endroit vraiment où il n'y a vraiment personne et un endroit de solitude. On aime bien ça nous de temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Bon ben, j'ai installé la nouvelle voile, la voile qu'on avait achetée, la voile qu'on avait achetée en Guadeloupe. Donc je viens de l'installer. Enfin, je l'ai installée ce matin là, en mouillage. Donc voilà. Alors coup de chance, les dimensions exactes. Alors ça, c'est vraiment un coup de chance. Voilà, dimensions exactes, les mêmes dimensions que l'autre. En fait, on a eu de la chance de trouver, c'est des dimensions assez spéciales. Voilà, donc nouvelle voile. Alors, je vous la filmerai tout à l'heure montée. Donc voilà, elle est nickel, elle est propre, elle est nette. Bon, il y a un numéro au milieu, vous verrez, il y a un numéro là. Mais bon, je m'en fous, hein, c'est pas grave. Voilà, donc tout à l'heure, on va mettre les voiles pour aller à Saint-Martin, donc je la filmerai. Sinon, voilà, un coup de chance, c'est exactement la même dimension. Voilà. Je viens de monter la nouvelle voile. Donc, voilà, au mouillage. Qui va très bien là, la hauteur. Petite spaghetti au fromage avant de partir. Propulseur droite. Vas-y, vas-y, tu vas à droite, hein, parce que c'est beaucoup à droite. Tout droit, tout droit. À gauche, à gauche. Gauche, gauche.
C'est bon, on dégage, on dégage.